Bonjour à tous et merci de rester fidèles aux 12h30 de RTI2. À la une de l'actualité, dans notre portrait de ce jour, nous irons à la rencontre de Yao, ce photographe qui est devenu restaurateur par contrainte. Et puis en Guinée-Conakry, des manifestations contre la junte au pouvoir depuis septembre 2021 ont paralysé ce jeudi 28 juillet, la capitale faisant un mort. Yao est un restaurateur spécialisé dans la viande de brousse. D'ethnie baoulé, M. Yao est installé dans le nord de la Côte d'Ivoire, précisément à Gon, dans le département de Boundiali, région de la Bagoué. Tous les habitants et autres fonctionnaires de la région mangent chez Yao à midi. Mais s'il est devenu restaurateur, c'est bien par un concours de circonstances, lesquelles les réponses dans ce portrait signé Alassane Parguin Drabo. Ce matin, Yao a la nostalgie de son ancien métier, celui de photographe. Ça, c'est tel appareil photo minute. Et puis ça, c'est les photos 36 poses, bon, supposons. Il faut souvent, je peux couper même le cliché. Si le client, c'est urgent pour faire ses pièces, s'il met le pellicule, je découpe le pellicule et puis là pour le client, pour qu'il puisse pour faire ses pièces. Il embrasse très vite la photographie avant d'en devenir expert. À l'époque, la photographie en couleur n'existe pas encore. Il est une star dans la Bagoué avec ses photos en blanc noir aux qualités impressionnantes. Mais à l'avènement des photographes amateurs, les chiffres de Yao sont en baisse. Le métier prend un coup, selon lui. Bon, le photographier, ça m'a rapporté quelque chose. Quand il y a eu beaucoup l'amateur, là, ça a fait que tout le marché était gâté. Et puis on n'a pas vu les gens quand même qui peuvent combattre les amateurs. Donc ça a fait que nous-mêmes, les professionnels, on était découragés par rapport au niveau de l'amateur. Parce qu'amateur, pour lui, ils ne font pas quelque chose d'important. L'essentiel, où nous sommes situés au niveau de le peuple Sainte-Fo, la personne sait que son image sort sur la photo, c'est tout. Or, il n'y a pas l'encadrement. Or, nous, les professionnels, il y avait l'encadrement. La photographie rangée au placard, Yao se tourne vers le secteur de la restauration. L'autre raison de sa conversion est toute simple. Un homme, là, quand tu te lèves matin, la première provocation, c'est ton ventre. Donc, j'ai vu que s'il va dans un restaurant, ça va me donner beaucoup de choses par rapport au niveau des photos. Au niveau des photos, c'est important, mais c'est quand tu es content et c'est quand tu as quelque chose dans la poche, c'est là que tu viens pour te mettre en l'aise pour dire qu'il va faire les photos. Mais le ventre, là, il est la première personne à te provoquer pour dire donne-moi à manger. Tant que tu n'es pas le donné, tu ne serais pas libre. Quand tu rentres dans une ville où je cherche à manger, où on peut trouver un coin où il peut me mettre en l'aise. Et c'est ça qui a fait que beaucoup d'hommes ont connu chez moi pour dire que, en tout cas, si tu arrives chez M. Yao, tu trouves tout à manger. Viande de brousse et puis viande de poisson. Depuis 1990, c'est dans la restauration qu'il exerce. À Gbon, ce petit village de la région de la Bagoué, au nord du pays, il est considéré comme le spécialiste de la viande de brousse. C'est ma première fois, c'est parce que c'est de bouche à oreille, par mes collègues qui viennent souvent ici. Comme on vient en mission ici, sur Tingra, puis on repart sur Abidjan, on dit qu'il y a une bonne restauration ici. Enfin, j'ai mangé, j'ai apprécié, en tout cas c'est bon, c'est délicieux, c'est bien. Surtout l'accueil est parfait, et puis bon, la réception et tout ça, donc c'est très bon. Je mange ici depuis longtemps, bon, les plats sont bien faits, c'est bon. Moi, ça me fait 2 ans que je suis à Gbon, et il faut dire que toutes les fois que j'ai envie de manger de la viande de brousse, je viens vers les locaux de M. Yao. Voilà, il nous confectionne de bons plats. Et c'est ce qu'on a l'habitude de manger ici. C'est très bon. Vraiment bon. Vraiment bien. Et ça, c'est un lapin. Ça fait 5000 francs le plat. Je pense que c'est bon. Grâce à son métier de restaurateur, Yao a à son actif d'importantes réalisations. Au niveau de l'association, il y a eu les enfants qui sont passés dans l'autre côté. Au niveau des États-Unis, ils font les études là-bas. Aujourd'hui, où je n'étais pas là, d'ici un an, il y a un qui sort comme avocat. J'ai construit certaines maisons et c'est l'hôtel que j'ai construit. Les petites casseroles qui me donnent un peu 5 francs, 10 francs
pour que peut-être ils ne vont pas demander crédit à quelqu'un pour dire « Ah, mon ami, aide-moi pour qu'il soit comme ça. » Et ce que j'ai fait, en tout cas, ça me va droit au cœur. Il embauche en moyenne 3 à 5 jeunes dans son restaurant. N'empêche qu'il est lui-même au four et au moulin. S'il y a beaucoup de clients, moi je me mets en pratique pour servir les clients aussi. Il faut aimer ton métier aussi. Ce qui te donne à manger aussi, il faut aimer ça. Les repas de Yao sont délicieux. Ça, tout le monde le sait. Alors, pourquoi s'en priver? Monsieur Yao, nous on a très faim. Il y a quoi au menu aujourd'hui? Présentement, ce qui est là, il y a lièvre en kédjenou, il y a pèdre en kédjenou, il y a poulet braisé. Au chapitre éducation, la ministre de tutelle, Maria Toukoné, informe les parents d'élèves que la phase pilote de l'opération d'orientation et d'affectation en ligne des élèves en classe de seconde dans l'enseignement général a démarré le jeudi 28 juillet 2022 à 23h59. Et cette opération prendra fin le samedi 6 août 2022 à 23h59 sur toute l'étendue du territoire national. Et selon cette note de la ministre, sont concernés par l'orientation et l'affectation en classe de seconde tous les élèves de 3e remplissant les conditions d'orientation à l'enseignement général qui sollicite les établissements publics ou privés des directions régionales, à savoir Abidjan 1, Abouasso, Korogo, Soubré et Yamsoukro. Au grand marché d'Adiaké, tous les mercredis, marchands et acheteurs de produits vivriers venant des différentes localités du département se donnent rendez-vous pour des échanges commerciaux. Mais parmi ces commerçantes, parmi ces femmes, certaines viennent de la capitale économique pour s'approvisionner. Joël Gousset les a rencontrées pour vous. Bienvenue au grand marché d'Adiaké. Nous sommes mercredi, un jour spécial pour cette ville située dans la région du Sud Comoé. Comme tous les mercredis, commerçants et populations se retrouvent au marché pour les uns, commercialiser leurs produits et pour les autres, faire des achats. Pour ce jour de marché hebdomadaire, il n'y a pas que des commerçants d'Adiaké. Ces vendeuses de pâtes de manioc sont venues d'Abidjan pour écouler leurs marchandises, mais aussi pour s'approvisionner. Je suis venue à Adiaké, venue payer les placalés pour aller vendre à Abidjan. Aujourd'hui, c'est le tas, c'est 1000 francs, 5 à 1000 francs. Donc, dans les 5 à 1000 francs, quand si on vend 3 à 1000 francs, pour nous, c'est 2. Dans les 2 là, c'est dans ça transport kit. C'est dans ça, les petits chachés là, ça quitte. Pour Bella, transport, tout. Ces commerçantes venues de la capitale économique achètent entre 15 et 25 sacs pour un montant de 15 000 francs l'unité. Tu, de la manière que c'est comme ça là, les tatas là, tu mets. C'est comme ça, les dames là viennent, et puis on paye chachés, et puis on donne, puis ils attachent. Pour. Les femmes quittent ça dans les campements. Voilà, c'est dans les campements qu'ils quittent pour envoyer ça ici. Donc c'est dans la main, nous on paye ça ici. Pour d'autres vendeuses également venues d'Abidjan, s'approvisionner à Adiaké est une affaire de génération. Nos mères venaient s'approvisionner au marché d'Adiaké. On les suivait toutes petites. Aujourd'hui, nous assurons la relève. C'est avec ce commerce que nous payons la scolarité de nos enfants et payons nos loyers. Vakaba Sissé livre les pâtes de manioc tous les mercredis au marché d'Adiaké. Cela depuis bientôt 10 ans. Le mardi soir, je vais les chercher en brousse, à Boutou, puis je viens. Ce transporteur n'approvisionne pas que le marché d'Adiaké. Les femmes qui quittent Abidjan, je viens les recenser encore pour faire partie Abidjan encore. Chaque caté a son prix. Je prends un bobo là à 2000. Mais dans ces deux jours-là, à cause du péage, on a mis 250 sur le sac. Un sac à 2000, 250. Moi-ci, c'est 1500. De Pelanani, Yukan Makori, c'est le même prix. Là, maintenant, de Adjamé, maintenant, Bobo, Anyama, c'est le même prix. Après avoir chargé son camion dans les villages de pâtes de manioc, Vakaba les transporte ensuite au marché d'Adiaké sans que les commerçantes ne lui déboursent de l'argent. C'est après la vente qu'il encaisse son argent de transport de la marchandise. Mais la tâche n'est pas toujours aisée. C'est comme ça, hein. C'est comme ça. Je suis là, Yukon, à 16h, 17h.
souvent dit non, ça ne va pas trop d'abord d'attendre. Les femmes d'Abidjan n'ont pas encore donné l'argent, les clients d'Abidjan. Au marché du mercredi à Adiaké, on trouve aussi des vendeuses venues des hameaux et des villages voisins, mais également celles des quartiers les plus reculés de la ville. C'est le cas de Mariama, qui est à son premier marché du mercredi. Déjà à mi-journée, elle trouve le marché dur. Pour la première fois, je suis sortie en main vite. Il n'y a pas rien dedans. Il n'y a rien dedans. Ça ne va pas. Les motobens, là, on prend ça à 85 000. Si tu as fait toutes les dépenses là, avec moulin, les gens qui taillent, les gens qui lavent là, ça n'arrange même pas. Je viens d'arriver chez mes parents. Maintenant, c'est ça qu'on fait chez mes parents là-bas. C'est à cause de ça, moi aussi, j'ai essayé pour amener mon chien. La première cliente qu'elle reçoit se plaint, elle aussi, du prix excessif des produits sur le marché. Quand on attache, là, normalement, ça doit être gros. Ça est trop petit. À un moment, on payait 9 à 2 000, 4 à 1 000 francs. Mais dans deux jours, on paye 5 à 1 000 francs. Et papa, trop beaucoup, il peut payer pour 30 000 comme ça. Et puis, arrivé à Abidjan, nous, on vend en détail. À Adiaké, en plus du marché du mercredi, il y a aussi celui du dimanche de Kakoukro, village situé à environ 6 km de la ville. Les jours ordinaires, le marché d'Adiaké reste presque vide. D'Adiaké, rendons-nous dans l'ouest de la Côte d'Ivoire où les femmes de Bloloquin, exerçant dans le domaine du vivrier, réunies dans diverses associations, veulent aussi booster leur autonomisation. Elles décident donc de se mettre ensemble. Pour cela, elles veulent des fonds pour financer leur activité génératrice de revenus. La cérémonie de lancement de leur activité qui s'est déroulée à Bloloquin a été parrainée par le sénateur Doua Keïta Edouard et leur a prodigué des conseils et a offert du matériel et des numéraires. Le compte-rendu de Eve Boué à Bloloquin. Les femmes commerçantes de vivriers ou exerçant des petits commerces à Bloloquin rencontrent des difficultés dans l'exercice de leur activité. Des soucis liés entre autres au coût des denrées, au transport, à l'approvisionnement des marchés et à l'accès aux fonds de financement. Vraiment, on se retrouve pas. Puis c'est quand je vais à Abidjan, je prends les sacs d'oignons là, on me donnait, avant on me donnait à 8 500. Bon, quand je venais, je fais plus d'engros à mes soeurs, je pouvais les donner comme ça à 10 000, plus même le transport aussi qui vient. Mais aujourd'hui là, quand je vais à Abidjan, on me dit que l'oignon est 10 000. Les choses sont chères, on ne sait pas ce qu'on a touché, on ne sait pas ce qu'on a fait. Souvent aussi quand tu parles à la compagnie aussi pour demander un crédit aussi. En tout cas, vraiment c'est dur pour nous. Pour adresser ces différentes préoccupations, les associations des femmes commerçantes de vivriers nommées Génito et Sinikia unissent leurs forces pour promouvoir la cohésion sociale et l'autonomisation des femmes. Le groupe s'appelle désormais Génito Sinikia. Il est installé officiellement par les autorités locales sous le parrainage du sénateur Doua Keïta Edouard. Ces femmes, conscientes des défis qui les attendent, veulent des fonds pour financer leur activité. On a besoin de l'argent pour nous aider. Financement, on va pour nous aider. On est où on est là, on est pauvres. Nos maris là, ils n'ont rien. La première dame, on veut que la première dame n'a qu'à nous aider. Maman Dominique Ouattara, on a besoin d'elle-même. Le parrain leur prodigue des conseils, les exhorte à toujours promouvoir la cohésion sociale et les rassure qu'elles seront soutenues par une augmentation des fonds FAFSI dont bénéficient déjà les femmes de Bloloquin. La question d'autonomisation des femmes est une question nationale. Celle pour laquelle la première dame s'est engagée depuis les premiers jours de l'avènement du pouvoir du président Ouattara. Elles en veulent, elles en ont eu. Elle en veut plus et elle en veut dans des conditions plus encourageantes. Et justement, pour les encourager, le parrain offre à ses femmes 50 chaises en plastique, une bâche de 14 mètres et une enveloppe de 500 000 francs CFA. Hors de nos frontières, en Guinée-Conakry, des manifestations contre la junte au pouvoir depuis septembre 2021 ont paralysé ce jeudi 28 juillet la capitale, faisant un mort, selon les organisateurs de ce mouvement de rue. Marqué par des heurts entre manifestants et forces de l'ordre, alors que l'Organisation des États ouest-africains affirme avoir convaincu les militaires de réduire la transition de 3 à 2 ans. Au Sénégal, à Dakar, les élections législatives du 31 juillet 2022 se préparent avec des acteurs divisés dès l'entame du processus électoral. Le pays qui est entré dans la période de la pré-campagne vendredi dernier retient encore son souffle.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci et rendez-vous demain midi 30 sur RTI 2.